Guys, je tiens à vous dire une nouvelle vidéo pour nous qui est vraiment intéressante. Donc, bien regardez-le pour nous capables bien comprendre tout le bagaille. Mais avant de commencer, je vais vous donner une salutation pour nous toutes. Spécialement, mon sao qui était premier commenté. Une salutation pour Kelvin 360K. Un salut Fleury Production. Une salutation pour Bibi Chinois TV. Un big up pour Mathieu et Papoulout. Un salut les Yul 4 officiels. Et je vais vous donner une salutation pour Marvin Spierre. Un peu love pour nous, c'est toujours même si vous partagez la vidéo à tout côté, abonnez avec la chaîne là qui te commente nous. Donc dans la prochaine vidéo, ma bonne love là. Et bien là, qui ça c'est créé en yé, guys? Nous pouvons aller dans les paramètres de téléphone nous. Nous descendons. Nous cliquons sur fonctionnalité d'accessibilité. Nous cliquons sur raccourci et gestes. Nous cliquons sur faire une capture d'écran. Et puis nous activons l'option ça, qui c'est capture d'écran avec trois doigts. Nous faisons back. Et bien là, qui ça c'est créé en yé? Automatiquement, nous glissons trois doigts nous sur l'écran téléphone noir. Nous avons tout fait un screenshot ou du moins une capture d'écran. Donc, je vais montrer nous ça me dit nous. Je vais glisser trois doigts sur l'écran téléphone noir et puis nous avons tout fait une capture d'écran. Jean nous capable de garder. Hein? Donc, je trouve ce secret ça vraiment intéressant. Parce que, en plus, mon tab dit que le bouton côté où on fait screenshot dans le téléphone a pas de problème. Et bien, grâce à cette technique, ça, on est capable de faire une capture d'écran sans aucune difficulté. Et si vous faites ça devant n'importe quel monde, ça vraiment impressionné. Donc, à rappeler que si vous avez même fait une vidéo pour vous, pas hésiter à cliquer en commentaire, une fois pour capable vérifier et pour capable répondre. Et bien, là, guys, partagez la vidéo. Hein. Donc, je vous dis à la prochaine dans une autre plus belle vidéo toujours.